Non, je note. Bon, je vais mettre là. Donc, pour chaque chevalier qui sera nommé, nous lui remettons un diplôme. Donc, tu peux présenter ton diplôme, que les gens le voient de loin. Voilà, donc qui atteste de sa qualité, de son excellence. Et étant donné qu'il ne peut pas se balader avec son diplôme sur lui tous les jours, ce qui est assez compliqué, je vous l'accorde parce qu'il est quand même assez grand, nous le remettons aussi également comment t'appelles ça ? Une décoration, voilà, merci plus tard. Une décoration qu'il peut mettre voilà, sur lui tous les jours et qui pourrait être reconnue par les gens qui font partie de la Fédération des Bikers de France. Donc si vous croisez une personne, on en laissera un que vous puissiez le voir, qui a cette décoration sur lui, c'est un chevalier de la custom culture. Voilà. Et vous pouvez le féliciter et en être fier. Donc maintenant je vais laisser à notre chevalier le soin de faire le discours qu'il a préparé, je suppose, avant de venir. Il va comme ça. Moi je m'appelle Yann, je viens d'Auvergne, je suis chaudronnier soudeur de métier. J'ai monté un petit atelier en micro-entreprise à côté de mon travail voilà, de préparation moto, de modification unique, on va dire. Je fais tout sur mesure, je ne fais pas sur plan ou quoi que ce soit. Et puis voilà, je suis soudeur de métier, taulier et formeur, je fais du garde-boue, le réservoir, du châssis, l'échappement, tout ce qui touche au métal. Voilà. Ouais, j'ai une petite page Facebook YC Custom, si vous voulez suivre. Merci. Bon ben Fabio, tu vas nous manquer. Tout le monde sait ce que c'est que la gravure sur nos petites mobilettes préférées. Il y a quelques mecs qui sont super talentueux, qui ont des idées, qui inventent. Fabio en fait partie, donc mon cher Fabio, on t'attend, on te pètera les genoux parce que t'étais pas là, mais ça c'est obligatoire, et puis on te remettra ton truc parce que t'es un mec qui a vraiment du talent. Et Cédric, oui il est là, c'est bon. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Parce que la peinture c'est un sacré boulot quand même, hein. Ben, bonjour à tous, bon voilà, ça fait 13 ans que je suis en activité, donc basé dans la Nièvre, à 2 heures en dessous de Paris. Donc de l'aérographie, du pinstrip, bon certains me connaissent, d'autres me connaîtront bientôt, j'espère. Et puis ben, j'ai le stand un peu plus bas, donc n'hésitez pas à passer, voilà, au revoir. Allez, on l'applaudit encore une fois s'il vous plaît. Catégorie sur un objet souvent d'exception. On en connaît plusieurs, mais non. Enfin, personnellement, moi j'en connais un sur Bordeaux. La liste des nommés. Stéphane Blond Garage à Berlétan. Cédric ALM Chopper à Saint-Céré. Seb Krug Design à Bazas. Et Laurent Zen Motorcycle à Masson J. Donc la personne qui sera chevalier 2021 cette année est donc Cédric ALM Chopper. Est-ce qu'il est là? Il est là ou il n'est pas là? Normalement il est là. Normalement il est là. Ah. Une autre catégorie qui est garage custom. Garage custom. Qui peut mieux placer un garage spécialiste amoureux de la custom culture pour entretenir sa bécane? Enfin, vos bécanes surtout. Les nommés sont Nicolas Shopstyle Custom Cycle à Roquebrune-sur-Argence, Bobby Custom Bike à Mirval et Philippe des Master Shopper à Tresse. Et donc le chevalier 2021 de la catégorie Garage Custom est Philippe Master Shopper. Est-ce qu'il est là? Il est là, voilà.
On est voisins en plus. Alors, je ne sais pas si certains nous connaissent, on est un petit garage de province que certains ici connaissent bien parce qu'il a été initialement créé par un ami que beaucoup de gens connaissent ici, Marcus. Je pense qu'on a repris le flambeau avec toute la passion qui l'animait déjà. Aujourd'hui, on fait partie des bouclards régionaux qui comptent et à ce titre, on essaye de faire en sorte que de défendre les intérêts de tout le monde, de faire en sorte de faire des motos qui soient customisées mais qui soient civilisées aussi. On essaye de faire plaisir à tout le monde et en respectant le plus possible les contraintes légales, etc. Donc voilà, on essaye d'avancer en ce sens et pourvu que ça dure, comme dirait l'autre, même si on a passé quelques mois difficiles. Voilà. Bravo, merci. Hein. Bon, allez, on peut applaudir Félicite de Genève. Faire un petit discours quand même, un petit, mais je pense que nous allons, c'est le plus jeune le faire. C'est ça. Mais tu n'as plus le choix. Ouais, alors, merci. Et puis, je tiens à dire que si jamais, j'en serais pas là où j'en suis, mon pote Fred n'était pas celui qu'il était. Ah ouais. Allez, on peut les applaudir, il y a deux grands timides. Alors, malheureusement, tu n'étais pas là. Donc voilà, ton diplôme, bravo. La décoration, et il va falloir maintenant nous faire un petit discours, je sais que t'aimes ça. Voilà. Bon, et merci à tous, merci à l'organisation. Un peu dommage pour la météo, mais on a quand même profité du beau temps jusqu'à ce midi d'après-midi. Très content d'être nommé à ce titre. De faire partie de la fédération aussi, de tout ce que vous faites pour les motards, et j'espère vous revoir bientôt. Voilà, merci à tous. Et c'est vrai que c'est rare, et je voulais absolument vous remettre ces diplômes aujourd'hui. On va commencer par Lily pour le discours parce que ça va risque d'aller vite parce que le grand Nico lui va nous prendre un bon petit quart d'heure, 20 minutes sans problème. Oui, ça fait plus de RIF entre autres qui m'a motivée. À un moment donné, j'ai été coordinatrice sud, c'est-à-dire que je me prenais ma petite voiture et je partais dans toutes les concentrations avec le stand FBF. J'étais toute seule sur mon stand. Super stand, Lily, que tu avais déjà. Et on buvait le rosé pamplemousse. Je ne sais pas si vous en souvenez, à Valoir et autres, tous ces tours. Et c'est au cours de ce périple que j'ai recruté votre président, notre président, voilà, qui ne roule pas en Harley d'ailleurs. Moi non plus à l'époque, hein, j'avais qu'un Shadow 750, mais j'ai fait beaucoup de kilomètres avec. Pas de moto. Je voulais dire surtout que la Fédé, on a essuyé beaucoup de détracteurs. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de détracteurs. Une femme dans ce milieu à ce moment-là, mais j'ai eu beaucoup de respect de ce milieu biker. Je voulais dire que la Fédé, c'est une guerre dont on perd parfois des batailles, mais on gagnera la guerre. Voilà, je vous remercie tous. Et je remercie la Fédé d'être toujours là 10 ans après. J'espère qu'on aura encore des décennies à venir, qu'on se battra pour les bikers, même qui ne sont pas adhérents, malheureusement. C'est dommage, parce que l'union fait la force, et j'espère qu'on va recruter beaucoup de gens, beaucoup de délégués dans beaucoup de départements, et continuer cette aventure. Je vous remercie tous, et bisous!
préparez vos trucs, j'en ai pour une 5 ou 6 heures à peu près de discours, j'espère que vous êtes prêts. Non, je dirais simplement ceci. Je pense que beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, on a vu un jour un film qui s'appelait Easy Rider et on a dit « Putain, 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 je veux vivre ça !» On a essayé de le faire, la Fédération des Bikers de France nous a aidés à le faire, pour les gens comme nous qui étaient un peu isolés. Et la Fédération des Bikers de France nous a fait, vous a fait. On est là depuis le début, on continuera. On a une super équipe maintenant et bah écoutez, merci, merci, merci. Et encore de la bagarre jusqu'à ce qu'on gagne et qu'on mette à plat tous ces petits talibans écolos. Merci.